Aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est jour de marché. Il y a beaucoup de monde qui passe devant la halte garderie. Mais nous, aujourd'hui, on se voit pour partager avec les papas, les mamans et les enfants qui ne sont pas encore revenus à la halte garderie, les aventures du mercredi matin. Et oui, tous les mercredis matin, avec Tam, nous parlons de nos émotions et nous les signons. Alors, avec les enfants, Safia, Leïna, Jana, Myriam, Chloé, Namissa, Youssef, Souleymane, Mohamed, Ania, Zeynep, Ilem et Fares, tous les mercredis matin, nous nous sommes regroupés pour exprimer nos émotions et pour les signer. Certains parents, comme la maman de Youssef, les connaissent maintenant car Youssef a appris à sa maman à signer ses émotions. Alors, vous voulez les partager avec nous aujourd'hui, avec Tam, nous allons signer, danser nos émotions dans le jardin de la halte garderie. Bonjour Tam. Bonjour Myriam. Comment ça va aujourd'hui? Ben moi aujourd'hui je suis en colère. Mais pourquoi es-tu en colère Tam? Bah, je suis très en colère parce qu'on ne peut toujours pas accueillir tous les enfants à la garderie. Oui, mais c'est mon montagne, ne t'inquiète pas. Oui, et je sais qu'on pense quand même très fort à eux. Mais comment tu exprimes la colère, Tam? Eh bien moi, quand je suis en colère, j'aime bien danser avec des foulards. Je vais vous montrer. Ok. Comment te sens-tu? Myriam, maintenant je me sens un petit peu triste. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tam? Les enfants, est-ce que vous vous souvenez comment on fait les signes de la tristesse? Je crois que c'était comme ça. Je suis triste. Je suis triste. Mais pourquoi es-tu triste, Tam? Eh bien, je suis un petit peu triste parce que papa et maman ne peuvent plus rentrer dans la garderie maintenant. Mais ils n'entrent plus à la halte garderie. Mais ils partagent avec nous ton après-midi, à travers les photos. Oui, c'est vrai. Ils sont rassurés parce que tous les adultes, tous les professionnels, ils partagent des photos avec papa et maman. Et puis je retrouve quand même mes jeux que j'aime bien jouer avec. Tu me refais le signe un peu de la tristesse? Je suis triste. Oh, mais Youssef les connaît bien, tous ces signes. Et Ania, et Safia, et Leïna, et Jana. Moi, quand je suis triste, j'aime bien me réfugier dans la danse. Je vais vous montrer. Montre-nous un peu, Tam. Oui, je vais vous montrer. Mais Myriam, tu es où? Dis-moi comment tu vas toi aujourd'hui Myriam. Moi j'ai un peu peur. Mais tu as peur de quoi Myriam? J'ai un peu peur parce que autour de moi, j'ai entendu beaucoup de monde parler de ce méchant virus. Ça m'a fait peur, très peur. Aïe aïe aïe!
Myriam, ça va mieux maintenant? Le virus, il est bientôt parti. C'est vrai, ça va mieux. Je sens un peu plus de légèreté autour de moi. Même s'il faut encore faire très attention. Oui, à la garderie, on fait toujours très attention. On se lave les mains. On prend la température. On prend la température. Et on lave toujours les jouets après utilisation. On fait très attention. Les enfants, vous vous souvenez du signe de la peur? Comment on fait déjà? On fait comme ça les enfants. J'ai peur. J'ai peur. Ah oui, je me souviens maintenant. Moi, quand j'ai peur, je me réfugie derrière un petit tissu et je danse. Alors Myriam, ça va mieux? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Je suis très contente. Mais tu es en train de me montrer le signe de la joie. Mais oui, et les enfants le connaissent. Je suis contente, car tous les enfants qui sont revenus à la halte garderie sont heureux à présent de partager de nouvelles aventures avec nous. Ils font plein de choses. Ils partagent des histoires. Ils partagent de la manipulation, de l'expression corporelle. Mais je suis surtout contente de continuer de faire des tutos pour les enfants qui sont encore à la maison. Au moins, ces enfants peuvent aussi participer de loin de la maison, mais peuvent aussi participer avec nous et partager nos aventures. Ah, c'est super chouette. Mais Myriam, qu'est-ce que tu fais quand tu es content? Quand je suis contente, je danse. À bientôt!